What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture qui va tous nous faire plaisir effectivement, car je me suis procuré par grande chance, je dois avouer, hein, posé au milieu de nulle part à Micromania, la boîte à goûter, le coffre au trésor Pokémon Détective Pikachu, voilà. Donc c'est une boîte à goûter, voilà, elle est vraiment big. Hop, du coup sur les côtés, on a les motifs, là voilà, Détective Pikachu. C'est des couleurs qui ressemblent d'ailleurs un peu à Suicide Squad pour ceux qui connaissent un peu, mais après c'est un peu normal, c'est un peu le style de la Warner Bros. Voilà justement. Hop là voilà, je vous montre ça. Elle est magnifique, voilà. Donc écoutez les amis, on va tout de suite l'ouvrir, voilà, c'est parti. Hop, une ouverture qu'on attendait. Un petit moment quand même je pense sur cette chaîne et vraiment c'est vraiment ce genre d'objet encore là qui me donne envie encore plus d'avoir toutes les cartes de la série parce qu'il m'en manque certaines justement et voilà donc du coup voilà comment elle se présente. C'est une petite valisette, voilà. Alors elle est quand même vachement grande les amis, voilà, elle pète la classe. Une petite valisette, voilà. Donc le derrière pour ceux qui sont intéressés effectivement, parce que même le derrière est très bien travaillé, voilà. Ça a vraiment son style, quoi. Ça me fait penser à Suicide Squad, un peu, comme dans le style, dans le design, dans les couleurs. Voilà. Alors, par contre, je vous rassure, là, derrière, c'est en anglais, mais par contre, ce sont bien des cartes françaises que nous allons, du coup, trouver. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte, les amis? Alors, voilà. Ouh là là, les amis. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, je vous montre ça. Alors, bon, vous voyez bien. Voilà. Oh, bah, j'ai tout fait tomber. Hop, c'est pas grave. Voilà. Au moins ça s'est réglé. Hop. Ah ouais, non, c'est magnifique les amis. Alors je vous sors tous les objets carrément. Et tout de suite. Ah ouais, non. C'est super beau. Waouh. Donc la boîte, je vous la représenterai à la fin. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a plein de trucs les amis. Ah, c'est super. Donc déjà, la première chose qu'on a, c'est ce petit jeton. Pikachu, voilà, détective Pikachu, voilà, donc la petite casquette et les petites oreilles du Pikachu, voilà, il brille hein, vraiment, il est super beau, donc ça je pense, je vais même l'utiliser pour jouer, je pense que ça va être mon jeton, sans déconner, voilà, je l'adore, ah il est super beau, je l'adore, il est vraiment sublime. Le second objet, alors ça vraiment, j'adore, s'il y a un truc que je surkiffe, ce sont les pins, et là justement, je suis gâté, voilà, on a du coup un pins, vas-y la caméra fait le focus, si tu y arrives. Ah, je vais peut-être pas y arriver, mais il est super beau, quoi. Vous avez l'idée, quoi. C'est comme le jeton, mais du coup, voilà, mise en couleur et en pin. C'est moi, ça, j'adore. Je pourrais même le porter si je me dirige dans des événements de la Pokémon League. Voilà. Donc, franchement, je l'adore. La seconde chose, donc ça, je pense les coller sur mon ordinateur ou un truc comme ça. Ce sont des stickers, voilà, Détective Pikachu, qui sont juste sublimes aussi. Hein. C'est vraiment des. Voilà, avec des petites couleurs. Ça fait vraiment plaisir. Ce sont vraiment des jolis items. Moi, j'adore, quoi. Des choses comme ça, je prends. Ensuite, ouais, ça se finit pas, effectivement. Alors, juste dommage, peut-être qu'on n'ait pas eu les crayons avec. Parce que je regarde bien, attendez, laissez-moi voir. Non, dommage, on n'a pas eu de crayon pour ça, mais du coup, on a un petit bloc-notes, voilà. Donc. Ça, écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est sympathique, quoi, ça s'utilise, c'est rigolo. Voilà, donc un petit bloc-notes, rien de plus. Voilà, donc pour ce qui est des boosters, oh les amis, quel plaisir de voir tous ces boosters là devant moi, vous avez même pas idée. Alors attendez, je les agence un petit peu parce que voilà, alors du coup, on a 7 boosters Détective Pikachu, les amis, voilà. Donc ça c'est ce qu'on va s'ouvrir tout de suite, mais avant ça, bon, deux boosters où franchement je pense que peu de personnes en ont quelque chose à faire, voilà, parce qu'on n'achète pas trop justement ces boîtes-là, les tripacks ou les coffrets Détective Pikachu pour ouvrir, voilà, du Soleil et Lune, et de base et du Soleil et Lune, mais internet, donc écoutez les amis, hop, on commence tout de suite par le Soleil et Lune, voilà, bon, si on trouve une Full Art, une Secret, un truc comme ça, franchement, voilà, c'est... Les amis, je vous le dis clairement, ça serait excellent. Mais bon, je doute. Allez hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est parti. Mais franchement, de ces boosters, je n'en attends rien du tout. Allez, on commence du coup par une énergie métal, une hyperbole. Donc ça tombe bien parce que ça, il m'en faut des fois dans mes decks. Un coraillon, une double énergie incolore, un piafabec, un talent pour Alola, un brindibou, un soporifique. Soporifique qui est quand même bien la classe sur la plage. Un bombidou. Un coraillon en river, ce qui est magnifique, vraiment, c'est quand même des belles illustrations, mais on connaît. Et un aquaquac en rare, donc c'est vraiment une rare très basique. Et le second booster, du coup, qui nous intéresse pas trop pour cette ouverture, c'est le lumière interdite. Allez, c'est parti.
Hop là. C'est jeté. Et hop, le code. Sur le code, je vous le donnerai en fin de vidéo, les amis. Je pense. Voilà. Alors, on continue du coup avec une autre énergie métal. Un d'Eden. Un fossile inconnu. Un tarambule. Un Mounorpal. Un ocelet. Un blizzy. Un sapéro. Un opermine. Un golopathe en rare reverse. Mais sinon, moi, je suis bien amené au golopathe en ce moment. Et un loup-garoc en rare. Loup-garoc qui est quand même vachement la classe. Ah, j'adore l'illustration, les amis. Je sais pas vous, vraiment, je la surkiffe. Voilà, hop, et là les amis, du coup, on enchaîne par le lourd, les amis, je vous remonte ça, c'est que ça fait quand même une sacrée épaisseur de booster, voilà, pour une petite série, donc il y a 18 cartes, donc pas mal de rares quand même, sachant qu'il n'y a qu'une rare par booster, mais bon, ce sont des boosters excellents, voilà. Allez les amis, c'est parti pour le premier booster, le détective Pikachu, c'est parti, hop là, les boosters sont vraiment facilement, et... Hop, alors qu'est-ce que nous avons? Le code, je vous l'enlève, voilà, je vous le donnerai. Bon, je le donnerai à la fin, je pense, comme ça, moi, ça prend pas de temps sur la vidéo. On commence du coup par... Vas-y, fais le focus, tu peux le faire, la caméra. J'ai confiance en toi. Voilà, nickel. On a du coup... Bon, je vous les avancer comme ça, les cartes, parce que vraiment, les illustrations sont magnifiques. Voilà, on a le Bulle Bizarre. On a un Exelang. Ouais, vraiment stylé, quoi, j'adore. Vraiment, je vous laisse les savoures aussi. Le rondoudou, tout poilu, on aimerait mieux qu'en peluche. On aimerait presque en adopter un. Et ensuite, nous avons un Ludicolo. Ah, super, vraiment, c'était la carte que je voulais. Voilà, parce que moi, j'adore Ludicolo et toute sa famille, hein, notamment Nenupio, Lombre et Ludicolo. J'adore ce genre de Pokémon, et là, il est tout poilu, il est dans son bar, voilà. Il fait le rôle de serveur, il est magnifique, les amis. Vraiment, je l'adore, voilà. Ça, c'est vraiment pour ça que je collectionne Pokémon. C'est vraiment pour des Pokémon comme ça que j'adore, et pour des cartes de ce type. C'est vraiment ce que j'adore. Allez, hop, second booster, parce que bon, on parle, mais la vidéo avance, hein, tout de même, hein, quand même. Et donc, là, c'est normal de prendre son temps, parce que c'est quand même une très, très, très belle série. Voilà, donc, je vous le donne à la fin, comme je vous ai dit. Hop, alors, nous avons du coup, hop, un Bulle Bizarre, voilà, qu'on vient d'avoir. Un rondoudou qu'on vient d'avoir aussi. Voilà, voilà. Un Salamèche, qui est toujours aussi mignon, hein, franchement. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite bouille. Ah là là. Et nous avons le détective Pikachu. Ah, ça, c'est vraiment génial. Oh, super. Super, super, les amis. Ça, c'est juste sublime. Voilà, elle pète, hein, la carte. Voilà, il est dans son enquête, le petit espionnage. Votre adversaire dévoile sa main et attaque surprise, d'accord. Voilà, voilà. Elle est magnifique. Allez, on enchaîne du coup par le troisième booster de cette ouverture. Hop là. Hop, on va enchaîner même par un rondoudou. Hop, le code se dégage. Et c'est parti. Du coup, nous avons un petit rondoudou. Ah, vas-y, fais le focus, voilà, donc ça, on connaît. Le psychoquack tout poilu, voilà, un vrai petit canard, quoi. Donc, il est quoi, il est dans un métro, c'est ça, un truc comme ça? Non, dans une laverie, je sais pas. Métro, laverie. Eh ben écoutez, les amis, un sondage s'affiche sur cette vidéo, votez. Tout ce que j'ai à vous dire, voilà. Oh, le Magikarp, super, ça. Le petit Magikarp qui n'a rien demandé à personne, qui a été même surpris, je pense, quand on l'a pris en photo. Et nous avons Monaflémite en rare, voilà. Un gros sac, on a l'impression, sur cette carte, voilà, sur cette illustration. Mais c'est le cas, je pense, voilà. Mais il est génial, ce Pokémon. Voilà. Allez, hop, un autre booster. C'est reparti. Oups, j'ai fait tomber. Voilà, voilà. Hop. Là. Et nous avons du coup... Oh, sublime. Ah, j'adore. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment peut-être une de mes cartes préférées de cette petite série Détective Pikachu. Voilà, c'est vraiment le Spododo. Voilà, je vous laisse vraiment l'apprécier. Voilà. Il est magnifique. Ah, j'adore. Ensuite, nous avons le Snubbull, voilà, le petit grincheux de base, mais il est vraiment mignon, enfin l'illustration est juste sublime avec les petits cœurs en fond, c'est génial. On a du coup le Magikarp, qu'on a eu à l'instant,
Et en rare, nous avons à nouveau le Ludicolo, les amis. Donc ça, c'est dommage, c'est pas de chance que je l'ai en double. Mais bon, voilà, je l'adore. Donc bon, écoutez, je pense même peut-être que je le garde, ou je sais pas, je ferai un échange, je le vendrai peut-être sur mon eBay ou un truc comme ça, voilà. Ensuite, nous enchaînons. Hop là, et c'est reparti. Et c'est donc le code. Et alors, on enchaîne du coup avec le Magikarp. Voilà, donc le Magikarp qu'on commence à connaître. Le Salamèche aussi, qu'on a déjà eu. Le Spododo qui est tout aussi magnifique. Et les amis, nous avons Arcanin. Waouh, super. Alors ça, je l'adore. Vraiment, lui. Voilà, elle est géniale, cette carte. Voilà. Il bosse pour la police départementale, un truc comme ça. Elle est juste sublime. Ça, j'adore. Allez, hop, c'est parti pour la suite. Allez, on enchaîne du coup. On a le Snubbull. Hop, le petit Snubbull. Voilà. Ensuite, nous avons le Magikarp à nouveau. Le Bulbizarre que je n'ai pas vu pendant cette ouverture, que j'ai peut-être sûrement dans ma collection. Mais il est magnifique, là aussi, regardez-moi dans cette forêt. Il est tout mignon, on dirait qu'il veut nous faire juste un gros câlin, ça se trouve, il veut juste nous tuer aussi, ça dépend, les amis. Et nous avons un Métamorphe, super Métamorphe qui est une carte un peu plus rare que les autres, normalement, parce que voilà, il y a une étoile brillante en bas, comme vous pouvez voir, là, en bas à gauche. Mais elle est juste sublime, voilà, le Métamorphe, je l'adore. Regardez-moi ça. Ce petit tas de choses qui peut imiter n'importe quel Pokémon. Sauf Arceus, normalement, je crois. Voilà, voilà. Donc ça, c'est génial. Hop. Et le dernier booster, déjà, j'ai envie de vous dire. Et c'est parti. Hop là. Ouh, c'est bien déchiqueté. Hop. Et là. Avec le code ici. Hop, c'est parti. Allez, hop. Rondoudou. Magikarp. Spododo et les amis, le Mewtwo, mais c'est génial. Alors là, qu'est-ce qu'on finit bien. Quelle fin, j'ai envie de vous dire. Mais regardez-moi ce Mewtwo. Bon, du coup, Mewtwo qui est le même type de carte que Métamorphe. Mais regardez-moi cette illustration. Je vous l'avance même. Si la caméra fait le focus. Je sais qu'elle t'impressionne, le Mewtwo, mais bon, quand même. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Ah, voilà, voilà. Alors, les amis, alors là, quelle ouverture. Génial. Génialissime, les amis. Ah, je suis super content. Écoutez, les amis, je vous retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Voilà. Allez, à tout de suite pour le récapitulatif. Et nous revoici, du coup, les amis, pour le récapitulatif de la vidéo. Voilà, donc moi, il y a 5 cartes. Voire même 6, les amis. Je vais en mettre une 6ème. J'ai décidé. Hop, qui. Pour récapituler, bon, j'arrive plus à parler, les amis, je sais pas quelle heure il est, mais je m'en fous, parce que ces cartes, elles sont juste trop belles, les amis, regardez-moi ça, le Spododo, ça, je l'adore, oui, je m'attarde sur une carte normale qu'on a déjà eu peut-être 10 fois dans l'ouverture, mais je m'en fous, je l'adore, elle est trop belle. Voilà, ensuite, la carte, voilà. Donc on commence avec les rares, c'est le Ludicolo, je vous l'avance un petit peu, vas-y, ouh, bien, en plus, il fait le focus de la caméra, maintenant. Voilà, je le trouve génial, les amis. Je vous laisse admirer un petit peu les effets et l'endroit où il est, donc dans son bar. J'adore. Ensuite, nous avons le petit détective Pikachu, le fameux, voilà. Le Pikachu, avec sa petite loupe. Voilà. Ensuite, nous avons l'Arcanin. L'Arcanin qui en envoie, quoi. Oh, ça, c'est du Pokémon. Ah ouais, ouais. Ça, j'adore. Ensuite, alors, on commence donc là les ultra rares, entre guillemets, hein, de la série, avec le Métamorphe. Waouh, waouh, waouh. Et le Mewtwo pour finir. Donc, ça c'est The Cart. Hein, c'est le truc à voir. Voilà. Le Mewtwo. Truc de fou. Voilà. Donc, les amis, écoutez, désolé si cette vidéo est un peu longue, puisque bon, là, j'ai vraiment pris mon temps, mais vraiment, c'est une série que je surkiffe. Donc, écoutez, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like même, pour on en est, écoutez, on n'est plus à ça comme lapsus, et abonnez-vous hein, même, partagez les vidéos, voilà, faites comme vous le voulez, faites-vous plaisir sur la chaîne, c'est le but, hein, c'est de retransmettre ma passion, ce que j'ai pour les cartes, et je vous dis à très vite, et peace!